Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes sur la page Facebook de Viastel. J'allais dire une méchanceté. J'allais dire une méchanceté, mais finalement non, puisqu'on avait rendez-vous à 9h30. Arrête, arrête. C'est Francine Massiani, elle est avec nous. On va se balader, mais vous avez reconnu déjà, il y a l'encre, il y a le marinet, il y a Francine, il y a la plage, il y a la chaleur. Waouh! Énormément, il fait très très chaud, il fait très très lourd. Étouffant. Les touristes sont arrivés, comme vous pouvez le voir, c'est double en retard. Francine, on a fait avec Olivier Biancogne pas mal de balades en Balagne et aussi à Île-Rousse. On a parlé de l'époque paléo-chrétienne, on a parlé de. Ensuite, Ah on a oui. rencontré Jean-Christophe Horticogne, tu connais aussi, qui nous a parlé des vieilles familles d'Île-Rousse et c'est plus proche de nous. Avec toi, ce que je te propose ce matin, c'est qu'on se balade une dernière fois dans Île-Rousse, mais version très contemporaine, ton Île-Rousse, on va dire. C'est oui. la ville que tu aimes, dans laquelle ben, tu as aussi grandi. Tout à fait, Yann. C'est pas le premier rendez-vous d'ailleurs qu'on fait sur Île-Rousse. Il y a quelques années, ben, figure-toi qu'on en parlait il y a 2 jours exactement, de cette petite balade. On était allé dans la rue, voilà. Et puis on était allé là-bas. Enfin, est-ce que tu te souviens, il y avait un vent, mais alors un vent. Je me souviens de ça, je me souviens que tu avais les cheveux qui se dans baladaient vent, comme ça dans le vent. Ben, il y a souvent du vent ici, en fait, on dit qu'il est né ici, le vent. Hein. Et alors par contre, on va être tout à fait honnête, hier on vous avait promis d'être en direct de bon matin avec un pêcheur. Et le pêcheur a dit non, 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 demain matin je ne peux pas parce qu'il y a du vent. Alors, pas de sortie, ouais. Bon. Il y a eu de la mer. On va aller le voir, ce pêcheur. On va aller le voir je crois qu'il a un souci. Parce que là, le vent n'est pas présent. Non, il m'a dit on ne sort pas. Voilà. Bon, je ne saurais pas. Donc voilà. Et puis on va balancer, puisqu'on parlait du phare d'Île-Rousse. On a parlé avec Olivier de Calvi et de Notre-Dame de la Serre. C'est vrai que c'est là-bas que se rejoignaient les jeunes à Notre-Dame de la Serre, les jeunes calvais qui allaient un peu s'extraire de la surveillance des parents. Ici, c'était un peu la même chose. Mais côté phare, voilà, c'est vrai. On partait là-bas, on était sans surveillance, on était quand même un peu barrés. Et nos parents nous faisaient confiance, vraiment. Les pauvres, s'ils savaient. Bon, ça nous a valu quelques cicatrices, hein, puis quelques Parce punitions. Parce qu'on apprenait, non seulement on allait flirtouiller un peu là-bas, mais on allait aussi apprendre à nager à côté des rochers, ce qui n'est pas obligatoirement la meilleure idée. Non, vraiment pas, parce que c'était assez dangereux, on était vraiment inconscients, mais c'était beau. Enfin, finalement, on a eu de la chance, il n'y a pas eu de gros problèmes. Et donc voilà, bon, mais Île-Rousse, c'est ça, c'est la marinée, là. Je regarde nos amis internautes, hein, je ne suis pas en train d'envoyer des textos. Hein. Et donc voilà, c'est ça qui est agréable, c'est-à-dire que ben ça, quand même, c'est un gros village, tout le monde se connaît. On était, comme je te disais, sans surveillance, mais malgré tout, il y avait toujours quelqu'un qui nous voyait. Ils Parce disaient les quoi là. Voilà. C'était ça. Voilà. Et puis quand on ne savait pas qui c'était, on disait tu es de qui toi? Ouais, tu es de qui? Une fois qu'on savait de qui tu étais, on pouvait éventuellement t'engueuler si tu faisais des conneries. C'est Alors, Pierre-Paul est avec nous, Marie-Claude est avec nous, Jackie Lemaine est avec nous, Bernadette nous dit bonjour, Nicole est avec nous, elle nous fait des cœurs. Il y a bonjour Dardiust, c'est Jean-Michel Casanova. Il y a Laura qui nous fait un petit coucou. Il y a Manon Franceschini, non, Nathalie Franceschini, Olivier Franceschini. Ah, c'est ce Zélorussien. Oui, mais c'est Manon qui dit ça. Elle dit bonjour Manon, mais on fait bonjour aussi à Nathalie et à Olivier Franceschi. Bonjour de Jacques Muth. Vous n'allez pas commencer hein, avec vos pseudos super compliqués à dire. Derrière la caméra, Laurent Simon-Paul qui me fait des grands signes. Oui, je me trompe souvent sur les pseudos, mais c'est parce que j'ai moi aussi des problèmes de vision. Caroline Doris nous dit bonjour. Christine Gabriel nous dit bonjour. Véronique nous embrasse. Hervé nous fait un coucou. Mireille nous fait un comme ça avec le pouce. Où j'en suis à Dominique. J'adore Île-Rousse, nous dit Claude. Arc-en-ciel nous fait hello. Bonjour depuis le Fiumorbo, nous dit Charlène. Bonjour Charlène. Bon. Attendez 2 secondes, je vais lui donner le micro. Oui, Laurent. Yann, tout le monde sait que le Fiumorbo, après évidemment la Castanique. Et après la Balagne, c'est le plus beau pays du monde, voilà. Je ne suis pas après, trop d'accord pour l'ordre. Non, mais on a dit. Ah, d'accord, oui, d'accord. Isabelle nous embrasse, Maud nous embrasse, Nicole nous regarde et nous dit bonjour. Stéphane nous dit bâche des bons tant pis. D'accord. Ah, les bons thèmes. Alors, les bons thèmes. Pardon, oui. Les bons thèmes, c'est une. Parce que moi, j'étais plutôt sur l'orgue, le bon tant pis. Hein. Les bons non, thèmes. Non, c'est une vieille famille d'Île-Rousse. Il y a eu une boulangerie. Bon, je me rappelle, petite, c'était deux frères, les frères Ivradel et Wontemp, qui avaient cette boulangerie. On avait des pains au chocolat. Lorsqu'on sortait de l'école, ils étaient tout chauds. On allait faire notre goûter là-bas. C'est
Elle n'existe plus malheureusement, cette boulangerie. Ça s'est transformé en boutique. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais tu sais, il y a des petits coucous, des gens qui disent j'habille le Rousse ou ça. Je suis plus très 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 jeune. Donc il y a des gens. Tu n'es pas encore très 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 vieille, Francine. Mais il y a des gens qui viennent, qui ont vraiment eu des coups de cœur. Ça fait 30 ans, ça fait au moins quand. Qui viennent chaque année. Et on a plaisir à se croiser. Et c'est vrai que. Oui, on va faire attention au train. Ouais. Voilà, on va en faire attention, on va pas se faire couper en deux. Mais... Tu parles de ces familles, Francine. Ouais. Hier, on était avec Jean-Christophe, il me disait, oui, c'est aussi une station balnéaire. Oui, il y a aussi, bien sûr, des gens qui sont, on va dire, de passage. Mais Île-Rousse, ça reste des familles. C'est ça. L'esprit famille est là. On parle des Franceschini, on parle des Léopoldi, on parle des Massiani, on parle des... Non, mais on se repère toujours à ces grandes familles qui existent toujours. Oui, tout à fait. On est là. Enfin, les Massiani sont originaires de l'âme. Ouais. Moi, c'était du côté de ma grand-mère que nous sommes d'Île-Rousse, en fait. C'est une très vieille famille, Île-Roussienne. J'ai un souvenir. Ah oui, maman. On y pense juste 10 secondes parce que je sais que sinon on va te perdre. Elle était à la fenêtre là où on était en direct. On était en direct en dessous. Elle nous regardait à la télé, sa grand-mère. Elle était juste au-dessus. Elle s'est mise à la fenêtre et nous faisait des coucous. On voyait sa petite tête. Juste la tête qui sortait, qui faisait comme ça. Un vrai bon moment. On a fait la marine. La marinelle, La marinelle, pardon. Qui nous amène, si on continue, jusqu'au Squartino Rossi, ouais. Là-bas. Et si on continue encore plus, on peut aller jusqu'à la Piètre, jusqu'au phare. Mais en fait, on rentre parce qu'ils ont concouru pour le plus beau marché de France il y a quelques temps. On a Île-Rousse. On a la plus belle Francine de France, mais on a aussi le plus beau marché de France. On va s'en approcher, c'est pas qu'un endroit où on fait le marché, hein. Ça poupache, non, là, ça magaille. Voilà, c'est ça. En fait, c'est le rendez-vous des Île-Roussiens. C'est le passage obligatoire. Tout le monde vient là, vient saluer et n'a pas spécialement de course à faire, mais on vient faire un coucou, on vient prendre un café, on vient prendre des nouvelles. Ici, on a les pêcheurs, un métier qui commence vraiment à être difficile et disparaître. Il y a de moins en moins, on peut le dire. Juste avant, parce qu'une fois qu'on va rentrer dans le marché, ça va être compliqué de suivre tout le temps les internautes. Alors, on va leur faire un petit coucou. Alors, on a Florence qui nous dit bonjour en direct d'Antibes. Bisous à ma famille à Corbar, les Romagne, Amédée. Les Massiani sont les plus forts. Une certaine Nathalie Grimaldi qui dit ça. Elle est d'Île-Rousse, elle aussi. Ouais, attends, je remonte parce qu'on en a perdu quelques-uns. Bonjour du Nord. Vous êtes superbes tous les deux, Bribri. Merci. Bisous, Bribri. Bisous. Bonjour du Nord. J'adore Île-Rousse, Nicole. C'est normal. Je suis contente de vous voir en direct, Véronique. C'est gentil. Île-Rousse se bétonise. Daniel, oui, c'est vrai. Comme tout, il y a un développement. Après, la seule question, c'est de savoir comment le faire, si on peut, malgré tout, oui, accepter un développement, mais le faire dans des conditions acceptables. Bonjour, que de bons souvenirs, Manon. Elle devait passer du temps du côté du phare. C'est vrai, nous embrasse. Bonjour de Salon de Provence. Il y a du vent ici. Alors, vous allez voir qu'on va transpirer. Il n'y a pas de vent aujourd'hui, mais c'est super lourd. La plus belle région de Corse, tout est beau en Corse, Mireille. Bonjour à la famille Castellani. D'Aregno. Valérie Serpagne nous embrasse. Dominique Amadei adore Île-Rousse, comme tout le monde. Bonjour à tous en direct d'Antibes, bisous, on l'a vu. Plus que quelques jours à attendre pour Geneviève qui va sûrement venir en vacances ici. Florence nous embrasse, bonjour Taleb. Et les langoustes de Paul Félix, nous dit Florence. Oui, mais alors on va trouver. Ben, ça tombe bien, allez, on vous retrouve tout à l'heure. Vous n'avez pas le choix, si vous voulez qu'on vous embrasse, il faut partager cette vidéo et vous abonner à la page Facebook et à la page YouTube de Viastel. N'est-ce pas ? On met la pression. On met la pression, voilà, attention. On parle des langoustes. Voilà. Alors, sous ce marché, il y a les pêcheurs qui arrivent au port. Il y a certains Île-Roussiens qui vont carrément acheter leur poisson sur le port. Sur le port. Et, ou alors, c'est qui on peut le citer, celui qu'on aurait peut-être pu voir. C'est François Aubertier. D'ailleurs, je lui fais un coucou, je lui dis que tu es un mytho, François. François, il n'y a pas de vent, d'accord. Tu aurais pu sortir. Non, mais on va peut-être pas prendre de risque. C'est vrai que quand Marina annonce que la mer va être forte, ben, il vaut mieux pas prendre le risque de sortir en mer. Hein. Et puis, en général, il n'y a rien de plus fiable que... Que Marina. Que Marina et que les pêcheurs, en fait. Parce que les pêcheurs, ben, moi, je sais que petite... c'est notre baromètre, quoi. On allait toujours donc c'était vrai à chaque fois. Donc on lui, vérifié, c'était quoi. Le prénom du pêcheur qu'on devait éventuellement François voir. Aubert, François Aubert, oui. Aubert. Lui, on peut aller prendre son poisson directement sur le port. Sur le port. Par contre, il y a d'autres pêcheurs qu'on va aller voir. Oui. On nous a parlé des langoustes, franchement, de ce Paul Félix. De Paul Félix. Il est où, Paul Félix? Alors, Paul Félix, je ne le vois pas. Il est certainement occupé. Il n'y a pas non plus Marie-Jo, c'est son stand ici. Le stand de Paul Félix, Paul Félix n'est pas là aujourd'hui, bonjour.
Il dort. Ah, il dort. Et oui, c'était la fête de la musique hier. Ouais. Alors, j'ai vu des... Non, des... Il est épluché, monsieur. Ah. Allez, quand même, un petit peu. À quelle heure il rentre? Ah là, il est rentré, là. On vient de recevoir, voilà. Vous faites... Il est rentré que de la pêche locale. Du coup, il est rentré à la maison, il se fait son petit spoutine, tranquille. Voilà. Il reviendra tout à l'heure. Marie-Jo, elle est quelque part. Elle doit... Elle est là, elle est là, là. C'est la femme. Alors, tu vois, là, c'est que des yeux de Russien. On a... Marie-Jo, c'est la femme de Paul Félix. C'est à moi, il y a du Biscador. Et voilà. Encore un balanin, François Vincenti, qui a écrit cette magnifique chanson. Et qui parle vraiment, vraiment ça. À moi, il y a du Biscador. C'est cette femme qui attend. Sur le bord, au port, attendre de voir que son avec un son peu la mari, pression voilà, aussi. Avec un peu la pression. Et c'est un peu ça, Marie-Jo, le métier de pêcheur. Marie-Jo, si je peux juste un petit mot. Hier, on était avec Jean-Christophe Horticogne et avec Olivier Biancogne. Et à chaque fois qu'on passait là-devant, ils disaient « Demain, il faut revenir, il y a les célèbres langoustes. » C'est une référence. On peut les voir. Moi, juste un mot. Deux secondes. Vas-y. On est en direct, donc ça va être compliqué, hein. On va pas dire de bêtises, mais elles sont belles. Des bon. Belles langoustes. Elles dorment. Ah, il faut pas les réveiller. Ouais, elles sont... dorment à moitié. Non, non, elles embêtez pas, elles embêtez pas. Il y a pas beaucoup de gros poissons, hein, voilà. C'est tous les jours les sorties en pêche, c'est tous les jours. Pratiquement tous les jours. Quand il fait beau, bien sûr, hein. Bon là, ça va. Aujourd'hui, ça passait. Il y a pas de trop. Il y a pas trop de vent. Par contre, il fait lourd, hein. On s'est plaint pendant 15 jours là quand on se prenait la sauce. Ouais, ça y est, c'est fini la pluie, maintenant ça tombe fort. Francine nous disait, le marché ici, c'est pas que pour faire les courses, c'est aussi un lieu de rencontre, les gens papotent entre eux. Des échanges. Tout à tient peu. Il m'a gagné un peu. J'ai acheté un t-shirt Vino. C'était quoi, attends. Ouais, c'est bon. C'est le bon. Vôtre. Regarde. Elle est en train de rechercher la citation qu'elle a trouvée. Pendant ce temps, moi, je continue avec Amigi, les gens. Amigi, Avi n'est pas dire, voilà. Amigi, Bu n'est pas dire, c'est ça. Mais c'est ça, c'est un gros village, tout le monde se connaît. On vient ici prendre des nouvelles un peu de tout le monde, on vient partager. Ce matin, mais bon, je ne bah oui. Ça n'est pas avec mon pantalon, donc. Quand on reste les classes, hein, il n'y a pas de raison. On continue, on se balader, on reviendra vous embêter tout à l'heure. Il va venir, le monsieur? Peut-être un peu plus tard? Encore une arrivage, oui. Non, voilà. Autant on repasse tout à l'heure. On repasse après, bon, allez. On continue. Désolé, hein, on vous a pris un peu sans prévenir. Ça, c'est Francine. Oui, pitié. Les pastilles aussi. Ah, ben voilà, les pastilles. Ah, ben les pastilles et du Gilbert, tu vas bien? Alors, je préviens vous prévenir un peu à l'avance. Francine va s'arrêter à chaque stand et elle va dire bonjour à tout le monde. Ouais, elle connaît tout le monde. C'est chez moi, non? Il n'y a pas de souci. Alors là, on a les pastilles, on les a. Salut! On les a, il y a l'oignon, il y a les blettes. Alors, feuilles de blettes avec du fromage de brebis et de la pancette, de l'oignon et de la ratatouille. C'est une pâte brisée, hein, ça se mange aussi bien froid que chaud. La stèle, fromage de brebis avec de la menthe fraîche et de l'huile d'olive. Pâte écorce, c'est du veau et du porc mélangé et cuisiné, avec du figadelle à l'intérieur. Juste à côté, vous avez des beignets courgettes menthe. C'est 3,50 euros les 6, les 6 beignets. On a la totale comme ça. Les frappes, c'est un beignet qui est souple, sucré, avec de la fleur d'oranger. Après, vous Francine, avez... elle fait super bien les frappes. Hein, Francine. Moi, Francine, je vais sûrement me prendre une pastèle aux oignons, et ensuite, je vais te parler comme ça. Ouais, voilà. Hein. Mais avant, on va faire un tour et on fera ça à la fin. Piadone aussi, délicieux. Et voilà. Ils font un moelleux à la châtaigne qui est exceptionnel. Du poisson aussi de l'autre côté. On continue. Poisson, c'est ça. Alors, fromage. Il y a de tout, voilà, il y a du rare à cette belle pêche. Mais en fait, moi je suis beaucoup plus poisson que viande, je sais pas toi Yann. Est-ce que c'est le fait que. Je sais pas moi. Que j'ai grandi au bord de la mer, j'en sais rien. Ouais, mais moi je suis tout ce qui fait grossir plutôt, tu vois. Ça c'est Paco. Bonjour Paco. C'est moi Paco. Paco c'est comment dire, une figure emblématique oui, du quartier. Vraiment. Et c'est. Il nous a vu grandir, hein. Et c'est le beau-père de François qu'on devait voir ce matin qui n'est pas sorti. Voilà. On va le croiser, François. Tiens. On va bientôt le croiser. Alors là, on a du. Voilà, le fromage. Vous voyez, on peut faire vraiment son shopping. Continue, hein. Il y a de quoi faire son petit repas, du fromage. On a même le droit de goûter en passant, je ne vais pas me gêner. Ça va et toi? Moi, je vous dis qu'il connaît tout le monde. Hein, je... Ah, c'est Francine qui va parler. Non. Moi, je peux pas parler, ça bouge pleine. Tu vois, il y a plein de générations. Tu as des commerçants qui sont plus âgés, des commerçants, de jeunes commerçants. C'est comment la vie ici?
La vie ici, ça se passe comment? Depuis tout à l'heure, elle fait que dire du bien. Hein. Elle est super chauvine. Il y a le monde et il y a Île-Rousse pour elle. Très bien. Ça se passe très bien. C'est convivial. On s'entend tous bien. Voilà. Pardon, comme on est en direct, il y a les gens qui réagissent. Et il y a Lionel. Lionel Cousson, tu es d'où? Réponds-nous. Il ose dire « Bonjour, mais vous êtes sur quel marché ?» Non, mais non, mais non, mais non. Non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais même pas, on répond. Oui, bien entendu, on est sur le marché d'Île-Rousse, Lionel. On a même, est-ce qu'on a besoin de le présenter? En plus, c'est vrai qu'il est dans une structure qui est bien particulière. Oui, on en parlait hier avec Jean-Christophe. C'est tous les matins le marché, hein? Tous les matins, tous les matins. Ensuite, le week-end un peu plus chargé. Mais je me demande comment on arrive à faire entrer encore plus de monde. Je me suis fait crier en disant non, mais hier il y avait autant de monde. Tu le vois sur Facebook, le monsieur. Vous savez quoi? Vous savez, on vous voit en même temps là sur Facebook. Qu'est-ce que c'est, confiture? Moi je fais tout ça, hein, toutes mes confitures, toutes mes tapenades et mes herbes du maquis, c'est moi qui les fais. Pardon? D'accord, elle les fait elle. Ah oui, on avait bien compris. Hein. Oui, je l'écris là, hein. Ça, c'est mes produits à moi. Là-bas, non, je suis sa vendeuse directe. Mais là, c'est mes produits à moi. C'est les herbes que je ramasse à Palasque. Et après, toutes mes confitures. Tout est fait maison par Marie-Ange. Moi. Voilà, comme ça, au moins, les choses sont bien claires. Choses sont claires et dites. Voilà. Commence à y avoir un peu de... Francine. Francine, je le disais, elle a une ressemblance avec Francine. Ah, viens me faire un bisou, ma chérie. Non, elle a changé, elle a pris, hein. Non. Si, elle a pris. Moi, je trouve qu'elle a pris un peu. Il est horrible. J'aurais vu Simon, il était là. Tout va bien. Elle a bien rajeuni, toi. Elle a bien rajeuni. On t'a fait. Elle vient plus souvent ici. Ah oui, je vous confirme, elle a des airs de Francine. Ça se ressemble quand même. Elle a des airs de Francine. J'ai pensé à Muriel, Muriel Cousin, la femme de... J'étais en train de regarder à deux fois. La femme de Stéphane Guillon. Oh non, c'est pas moi. Ça n'est pas moi. Moi, je suis la femme de Jean. Ce qui est déjà pas mal. Hein. C'est toi qui es mariée. Mais non. Voilà, continue, c'est bien. Quand je vous dis, c'est là, un lieu d'échange. Savoir, là, lieu d'échange, lieu de partage. Est-ce que vous êtes sur Facebook, donc? C'est une amie à mon fils, quand vous même. Hein. Je l'ai connue petite. Vous êtes sur Facebook? Oui. Et vous n'avez pas encore partagé notre direct? Eh bien, je travaille, je la partagerai. Non, vous papotez là, vous ne travaillez pas. Je la partagerai cet après-midi, vous pouvez être sûr. Bon, ça va. Je vous suis à vous. Bon, ça va. Il y a des fromages excellents, nous dit Martine. Bah oui, il y a des fromages excellents. Il y a celui de Fortuné Savelli déjà, hein, le chèvre de Fortuné. Un autre balanin, excusez-nous. Voilà, hein. Maintenant, le c'est vent même ici. Plus lui. Oui, c'est moi qui le vends. Ah d'accord, oui. Ah, je suis obligée de le dire, hein. Oui. Mais là, ce n'est pas vos produits. Hein. Non, mais je ne gagne pas beaucoup dessus. Hein. C'est vraiment pour faire travailler le petit... On sait tout. C'est vraiment pour faire... Non, c'est vraiment pour faire travailler des petits jeunes. Hein. C'est ça aussi, pour... c'est ça aussi l'esprit. C'est son fils Antoine qui a repris et sa belle-fille. Je sais. Voilà. Je sais. Donc, tout ça. C'est vraiment des jeunes. Si on ne fait pas travailler, on ne va pas faire travailler Pierrot, tu coupes. Voilà, ça c'est bon. Non, on est en direct, voilà. Non, mais c'est bien. Alors, il y a de la place pour tout le monde. Pour les grands, enfin, les petits, dans les grandes surfaces. Les et puis aussi, les petits, c'est pas mal de les aider. Voilà. C'est bon, on a sauvé les meubles. Un peu de terrine maison ici, tu connais aussi? Bon, faut tout que tu monde, me présentes. Tout le monde, voilà la terrine, bonjour. On va se rapprocher, Yann, est-ce que tu veux? Si c'était vous qui aviez fait le reportage du plus beau marché de TF1, vous auriez gagné, non, oui. Je ne parle pas, mais voilà, ça c'est une amie, une autre. Ça va, bonjour. Tranquille, bonjour. Alors tu es en direct sur le Facebook de France. On est là, hein. Oui. Alors, qui c'est? Moi, je ne connais pas. Hein. Alors, c'est Audrey. Audrey. Bonjour, Audrey. Qu'est-ce que tu nous vends? Alors, Audrey Botalico. Moi, je suis la femme de Christian Botalico, exploitant agricole sur la commune de Felicette. Et ça fait 8 ans, donc on fait notre propre charcuterie. Elle est où? Juste là. On est éleveur en bovin aussi. Tiens ça, toi. Et continue, moi, je vais goûter. Lui, il va goûter. Alors, voilà. Nous faisons aussi le Vaucorse. On est éleveur en bovin. Et voilà, et la charcuterie depuis 8 ans. Alors 8 ans, ça te laisse quand même du recul. Parle-nous un peu de la vie ici sur le marché à Île-Rousse. Alors moi, ça comment fait... tu t'y sens? Moi, ça fait que 3 ans, mais je m'y sens très bien. Je suis arrivée, donc je suis une des dernières. En plus, il y avait déjà beaucoup de stands qui faisaient la charcuterie. Mais j'ai été très bien accueillie. Et finalement, même si on est nombreux à faire la charcuterie, le fait que je sois producteur, j'arrive à me démarquer et ça me fait une force. Voilà. C'est important ça. Voilà, ça, c'est ça, il faut encourager le commerce de proximité. Et je vais lui redonner, va dire un mot sur ta charcuterie parce que regarde. C'est une tuerie. C'est très bon. C'est une tuerie. Bon.
Toujours là aussi, hein, avec un petit verre de modération. Voilà. Mais c'est une tuerie, c'est délicieux. Et en plus, ils font de l'emballage sous vide et tout, et vous pouvez partir avec votre charcuterie dans les avions, même avec le plan Vigipirate, il n'y a pas de problème. Voilà, et voilà. C'est tous les matins. C'est tous les matins. C'est ça. Voilà. Sur le marché d'Île Rousse, bien entendu. On me parle de Marie. C'est Marie, c'est la dame qu'on a vue tout à l'heure. Oui. On dit, il faut embrasser Marie, c'est une figure du marché. C'est fait. Lionel nous dit, je suis de la région parisienne. C'est le monsieur qui demandait où c'était le marché. Eh bien, c'est bon, ça va. Lionel, allez, Lionel, on excuse pour cette fois, Lionel, mais le marché d'Île Rousse, normalement, dès que vous voyez les colonnes, normalement, vous n'avez pas à demander d'où c'est, quoi. C'est Île Rousse, franchement. On nous parle du miel du maquis, Andrea. Il est là. Et on me confirme, Nathalie nous dit, je confirme, le fromage de Fortuné est excellent. C'est vrai. C'est vrai, je connais tous ces produits. À consommer, et Christine nous dit, là par contre, c'est à consommer sans aucune modération. On va quand même faire attention. Coucou Audrey. C'est qui Audrey? Audrey Marais, je ne sais pas. André nous dit, coucou Audrey. On a peut-être croisé quelqu'un qui s'appelait Audrey. Ah oui, mais c'est Audrey avec qui on parlait maintenant. Ah enfin, ben voilà, mais Yann. Grand séjour en Balagne, nous dit Lucie, pour les pistonnés. Ah oui, ben c'est... Oui, c'est nous. Oui, depuis quelques jours, on est en Balagne. Tous les reportages qu'on a fait en Balagne avec Francine, avec Jean-Christophe, avec tout ça, vous les retrouvez sur la page de Via Stel, madame. Mais oui. Et sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube. Vous nous suivez, bien sûr. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Pour qui vous travaillez, Via Stel? D'accord. Je ne vous connaissais pas. Je venais d'autres. Honte à moi. Ah, lui, je ne le connaissais pas. Bon, voilà. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui n'a pas reconnu Francine. Alors, à la limite, je ne vais pas me vexer. Hein. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Un peu moins que les autres années, monsieur. Il y a quand même un peu de monde, là. Ça va. Il y a du monde, mais c'est pas... Ben, on s'est pris la flotte hein, pendant 15 jours, là. Hein. Et puis, il y a une période que les gens n'ont pas trop beaucoup d'argent. On a un peu moins de sous. Hein, monsieur. On va embêter les gens. Je peux faire le vendeur. J'ai toujours... Si vous voulez, Francine, viens avec moi. On va faire le vendeur. Allez, bonjour. Vous êtes en direct, hein, je vous préviens à l'avance. Oh non, donc, elle ne veut pas. Mais pourquoi? Mais j'ai rien fait, je vais juste faire le vendeur. Je vous ai pas demandé. Alors, bonjour. Oui, vous êtes à la bourre. Francine, fais la vendeuse avec moi. Qu'est-ce que vous avez? Je sais pas. Alors, écoutez, nous, hier, nous sommes allés au restaurant juste derrière vous, qui s'appelle l'Arc-en-Ciel. Et nous avons dégusté une salade de chèvre au miel et on est tombé sous le charme du goût de ce miel. On nous a dit que c'est le miel du maquis qu'on achète ici sur le marché. Vous savez qu'en plus, la filière apicole en Corse est vraiment développée parce qu'on a un AOC depuis je ne sais pas combien, parce que l'abeille corse, c'est une abeille endémique qui n'existe qu'en Corse. Et elle a, on va dire, une langue un peu plus longue que les autres et elle permet de butiner. Francine, arrête de dire des bêtises, c'est vrai, je te le jure. Elle permet de butiner. Donc, vous voulez du miel du maquis? Alors, du coup, on est venu ce matin, juste, voilà. Voilà. Ah, miel du maquis de Brandes est délicieux. Et du coup, il coûte, putain, je suis nul. Hein. Pardon? Combien il coûte? Je crois que vous avez besoin de moi. Oui. Ah, ça, c'est la date, ça va jusqu'à 2019. Voilà, mais c'est pas 2019, mais le prix, tu connais? Le prix, il est là, 6,50€. Ah, ben voilà, 6,50€. Alors, voilà. 6,50€, Francine. Alors, oui. Deux. Ah, deux. Deux. Excusez-moi. Ouais, ben, il faut encaisser deux miels du maquis, la dame, à 6,50€. Oui, d'accord. Alors, vous prendrez la chaîne Corse, parce que c'est Via Stel. Donc, vous êtes obligé maintenant de vous abonner à Via Stel France 3 Corse. Sur la page Facebook, on est en direct. Non, mais c'est gratuit. C'est juste, pour nous recevoir. Bon, ça va. On est pressé. On était sur France 3. Bon, on est sur France 3. Ça va. Non, c'était juste. Non, c'est le service public. C'est le service public. Bon, merci, bonne journée. Merci à vous. La dame avait peur qu'on lui demande de s'abonner. Non, mais c'est gratuit quand on s'abonne à notre chaîne YouTube et à notre chaîne Facebook. Je peux pas tout vous dire. Il y a Laurent qui me fait des signes derrière. Laurent qui adore le miel, il est en train de nous dire qu'effectivement les abeilles elles sont vraiment particulières en Corse. Ah ben tu vois, il y a Lionel qui revient vers nous, il nous dit en effet qu'il a reconnu le marché grâce à ces fameuses colonnes. Et c'est aussi grâce à ça, mais aussi surtout grâce aux bons produits. Île Rousse, j'adore, nous dit Zen. Noël, charcuterie Corse, un vrai bonheur. C'est le fromage, celui de Fortuné. Voilà, comme ça au moins les choses sont claires. Là on a les épices.
Et Martine nous dit, j'adore le marché, tout y est bon. Le fromage, la charcuterie, la miel, le miel, l'huile, un bon charcutier de Pietralbe, Pascal. Et Caroline nous dit, merci, c'est bon, maintenant j'ai faim. Bah oui, nous aussi, Caroline, on a faim. Quoi, les épices, tu connais? Tout à fait. Bon, alors, donc si on peut interpeller le jeune homme, tu connais son prénom? Son prénom, non, mais ça change tout. David. Bonjour. On disait qu'il commence à y avoir un peu de monde quand même, ça va? Oui, pour l'instant c'est un peu calme, mais bon, ça va être peut-être l'effet Coupe du Monde, je sais pas, mais bon. Ah, ça va, c'est pas non plus le Pérou, hein. Fallait la faire celle-là, hein. On va vraiment tirer par les cheveux. Non, mais c'est vrai que malgré tout, le temps commence à aller de mieux en mieux, on évite la pluie maintenant, donc ça va bien se passer. Puis les gens sont sympathiques maintenant, bon. Travaillez bien, bon courage. Allez, on continue, Francine. On continue. Alors là, on a Pierre. Pierre. Pierre, qui est un des plus anciens aussi. Ça fait toujours plaisir, hein, quand on arrive, vous allez. Quand on arrive, quand on dit « il y a Pierre », c'est fais le tour pour faire le bisou. Hein. Mais c'est lui, combien ça fait d'années que tu es sur le marché maintenant? Une vingtaine, 25 ans. Mais ça fait toujours plaisir quand on arrive, c'est l'un des plus anciens. Prends ça dans les dents. Non, mais c'est vrai, 25 ans sur le marché, c'est... Ouais, j'ai travaillé d'abord chez mon concurrent pendant quelques années. Et après, quand le banc d'ici a été libre, je l'ai repris. On trouve quoi? Produits locaux, parce que je travaille avec la coopérative de Casamotte. Mm-hmm. Donc c'est de la marchandise locale uniquement. Comme ça, on sait d'où ça vient. Ce que je suis en train de regarder, amandes, mandarines. Alors voilà, mandarines. Alors ça, c'est plus un hybride de mandarine, clémentine et pamplemousse. Ouais, hein. Il est un petit peu... Parce que la mandarine, on a fini depuis 3 mois. Ça arrive à maturité mi-avril et là on a quasiment fini. Là. Alors, il y a des gens qui... Oui, alors oui, c'est pas parce qu'ils ne sont pas obligatoirement dans les canons d'esthétisme, beau, ouais. Bon, on peut le dire, c'est pas très beau. C'est pas beau, c'est tout mou, ça ressemble à rien, mais c'est une tuerie. Mais c'est juste super bon, voilà, c'est juste une tuerie niveau goût. Il faut laisser la chance aux produits qui ne sont pas obligatoirement les plus beaux, parce que des fois on a des super bonnes surprises. Et ça, moi j'en ai goûté, c'est juste abominable. Les nectarines, les melons. Les pomelos, c'est vrai qu'on développe beaucoup, on en avait parlé avec l'INRA. L'INRA de... Guizonat, non? Ou Lérien, ou Guizonat, je sais. En bas, oui. Laurent va m'aider, l'INRA. Ils sont où? À Guizonat, non? Ou à Lérien. San Giulia. Oui, ils sont un peu plus haut alors. Oui, voilà. On parle beaucoup de la filière agrumes et de la... Alors la clémentine, bien sûr, c'est beaucoup développé en Corse, mais le pomelo commence à prendre ses lettres de noblesse et il y a toute une démarche pour justement essayer de le faire reconnaître en IGP ou en AOP. Mmh. Et ça se développe. Les tomates, c'est des vraies tomates pas F1. C'est pas encore du plein champ, hein. C'est encore sous serre. On a du retard pour tout cette année, hein, parce qu'il a eu sans arrêt, il n'a pas fait beau. Oui. Par contre, on retrouve du cédras, on n'en trouvait plus, c'est ce qui avait fait la fortune du Cap Corse à l'époque, et après on en trouvait plus. Malheureusement, il y a même un musée qui s'était monté, le musée du cédras dans le Cap Corse, qui n'a pas super bien marché, mais ils ont recommencé à planter. Ça recommence. Ça y est. Le Cap Corse, c'est le cédras, bien sûr. Les oignons. L'oignon. Une tuerie. L'oignon rouge du Cap Corse. L'oignon de Cisque, c'est exceptionnel. Bon, l'un des plus anciens, le prénom? Pierre. Pierre, merci Pierre, travaillez bien. Bonne journée. Allez. Pardon. Maintenant j'ai faim, oui. Je déjeune. Il y a Lionel qui dit qu'il déjeune souvent chez Alain Guidicelli. Tu connais Alain Guidicelli? Pardon, non, celle-là je vais la prendre. Sors Laurent. Ah, moi je balance. Excusez-moi, qu'est-ce que vous avez dit? C'est sur Facebook que vous faites plus vieux. D'accord. À moins que c'est fait du Botox entre temps. Non, parce que je l'aime bien en plus, je le suis souvent et je partage. Qu'est-ce que ça serait si elle ne m'aimait pas? Non, vous faites plus jeune là. Ah, voilà. C'est sur Facebook, c'est ce que je dis. Voilà. Mais c'est parce que c'est Laurent. Je suis restée bête, j'ai dit, on dirait lui, tu vois, quand je l'ai vu. J'ai dit, on dirait lui, mais il me paraît plus jeune. Non, mais c'est Laurent, il fait tout pour me vieillir parce qu'il est jaloux. Excuse-moi, j'ai pas votre prénom. Marianne, Jean-Marianne Dioula. Ah, ça va. Et donc, Fiador. Il me reconnaît pas, moi j'étais là, maintenant il croit que je suis là. Non. Oui, c'est pas là, c'est ma sœur, là. On est tous en famille. On est séparés en deux. Une partie là-bas, une partie ici. Marie-Ange et Muriel Castellani. On travaille en famille. On vient tout à l'heure prendre un peu de poids avec Francine. Mais c'est bien quand on prend du poids. Pardon? Elle est jolie. Mais elle a toujours été jolie. Mais là, il y a quelque chose. Il y a un truc. Ouais, mais elle prend un peu, elle aussi. Hein. Oh. Allez, on continue. Bonjour. Il y a de la pâte à tartine de Cervione.
Ah oui, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. On me dit. Le miel de François Gasson aussi, qui sent l'amour du pays et de ses abeilles de Balagne et d'ailleurs. C'est Stéphane qui nous dit ça. André, alors là, non, là, on a un miel de Balagne. Ah voilà. Tout le monde au SCAP, mais c'est un des meilleurs à Madrid ou là. C'est des petits producteurs qui sont au village de Santa Rebarrada. Mmh. C'est la famille Gras. Appuie sur la chevillette. On va servir, hein. Ah ben oui, elle a scapé. Pourtant, elle le vend bien, son miel. Goûte ça. Mais non, comment c'est tu connais son prénom. Ça va pas te revenir. Madame Gras. C'est... Madame Gras, venez. Non, parlez pas, venez, à haut. Mmh. On est entre nous. Oui, vous pouvez me faire confiance. Il vient d'où? Santa Ribarrada. Ah, à chaque fois, j'oublie. Tu sais qu'il y a les 5 en AOP, il y en a 5. Il y a Maki, Printemps, le Miela, oui, Châtaigneret, et le Plein Fleur. Maquis d'automne. Et le Maquis d'automne. Où il y a l'arbousier. Je vais dire des bêtises, parce que la filière AOP, franchement, au niveau du miel, et là où c'est miel. Ils nous font les analyses, ouais, hein, de pollen et de nectar. Et franchement, des fois, il y a eu des AOC, des AOP, des IGP qui ont eu du mal à naître. Et des fois, c'est venu dans la douleur. Là, ouais, c'est bien passé. Hein. Très bien. Et d'ailleurs, cette année, ils fêtent leurs 20 ans. Les 20 ans, oui. Alors, on en avait vu avec l'Université de Corse qui mettait en avant cela. Les 20 ans du miel corse, c'est une réussite. Hein. Oui. Nickel. On a la chance de ne pas encore connaître les moins que sur le continent, même s'il peut y avoir des problèmes avec les abeilles. On a moins de problèmes ici encore. Ça va. Enfin, problème de récolte aussi quand même. Hein. Ça fait deux, trois oui, ans. Mais les problèmes phytosanitaires qu'ils ont sur le continent avec les essaims qui tombent tous les uns après les autres, ça, on ne l'a pas encore. Préservons-nous de ça. Hein. Oui. La période vraiment active, c'est quoi? C'est avril? Quand est-ce qu'on commence? Oui, on démarre même au mois de mars. Hein. Oui. Mars, au mois de mars. Et après, pardon, avril, on commence pour les récoltes. Voilà. Donc je dirais que le plein boulot, c'est l'avant printemps. Et la préparation. Fabriqué pour toute la saison en fait. Non, là je veux dire ça fait 2-3 ans, c'est non, on n'arrive plus. Donc là tu es privilégié, Yann. Ouais, là, tu goûtes un des meilleurs. Non, c'est une tuerie, je vous jure. De Balagne. Et il vient de Santa Rebarrada. Eh, comme par hasard. Voilà. Dis-moi, il y a des gens qui me posent des questions comme on est en direct, hein, autant en profiter. On me dit, dis-moi, comment on fait si j'ai un essaim, j'ai une ruche chez moi qui s'est installée? On appelle l'apiculteur du coin. On appelle l'apiculteur du coin qui vient le récupérer. Vient la récupérer. Donc, ouais. Et si on est en Balagne, justement, qu'on a une ruche qui s'est installée? On peut m'appeler, oui. Voilà, on récupère parce les que vous avez une page Facebook, vous avez un mail. Je n'utilise pas, oui, j'ai, mais voilà. Par téléphone, c'est bien, le téléphone. Elle a dit, le téléphone, c'est bien le téléphone. Estelle et Jean-Claude. Estelle et Jean-Claude. 06 80 44 33 83. 06 80 44 33 83. Ils ont même un site internet. www.miel-amadrigoula.com. Voilà. Et si vous avez une ruche qui s'installe, il ne faut pas les chasser. C'est important, les abeilles, c'est on appelle, ils viennent, on les récupère. Estelle est là, SOS Estelle. C'est une tuerie. Hein. Très bon miel. Délicieux ce miel. Et là, c'est le... Comment dire, je m'attends au pire. C'est le bonheur, le soleil du marché d'Île-Rousse. On appelle ça The Star is Born. The Star is Born. Je vais aller l'embêter. Et en plus, vous savez pourquoi je... Tu sais pourquoi je vais l'embêter? Parce qu'en plus, il est pas fou, lui. Il s'est mis le ventilo, on est super bien ici. Ah ouais, il y a un ventilo pour en dessous. Guardagui. C'est le soleil du marché. Non, guardagui, dingio. C'est mon cava de Borovio, mais. Parce que le soleil du marché, mais pendant un petit moment, là, le soleil du marché, on l'avait pas. Hein. Pendant 15 jours, là, on s'est pris la flotte. Hein. On s'est régalé. C'est régalé, exceptionnel. Maillots partout. J'ai été voir Je suis parti voir ma petite fille qui avait un an. Indou. Sacha à Marseille, magnifique. Tout au bord. Et tout au bord, ça dit là. Non, s'il vous plaît. Pourquoi tu as dit que tu es cuit dans ton mercado? Malheureusement, c'est le plus vieux qui est là, 36 ans. 36 ans. À combien de ce mercado d'abouer 36 ans? Oui, c'est. Il y a vraiment beaucoup de choses, belles choses, tout ce qu'il faut. Et où spirito? Où spirito est? Il y a comme de partout. Et non, bien... franchement, pas de partout. Non. Ici, c'est particulier. Hein. Ici, c'est particulier. Tout le monde est gentil. Voilà. Non, tout franchement. Tout le monde est bien. Tout le monde s'entend. Tout le monde s'aide. Tout le monde s'entraide. Quand quelqu'un est garé sur la route, on descend lui prendre les choses, etc. On l'aide.
Voilà, c'est pas compliqué. C'est pas comme Ajaccio, hein. Ni à Bastia. Mais alors, vous pouvez me regarder comme ça, je suis ni d'Ajaccio, ni de Bastia, je suis de Castanic. Voilà, hop, ça c'est fait. Bon, et il y a le petit marché. Tiens, on avait fait un petit truc au col d'Arcarotte. Vous connaissez le petit marché du col d'Arcarotte? Ah, voilà. Voilà. Moi, je viens vous voir ici au marché d'Hydrous. Vous montez pas au col d'Arcarotte pour voir le petit marché. Regarde, il y a un goulard, fa quoi souhait. Mais c'est un super endroit. Qu'est-ce que vous allez faire? Rencontrer des gens sympas comme nous. Mais il est... Madame, je suis à vous. Il est à vous. Voilà, écoutez, c'est une star. Vous pouvez filmer madame, voilà. On peut filmer madame. Venez d'où? Non, mais juste nous dire d'où vous venez. Non, merci. Pardon? Venez d'où? Je viens de la Suède. Ah, d'accord. Switzerland. Non, la Suède. La Suède. Ah, la Suède. La Suède. Ah, la Suède, à côté. Et on vient... du Danemark. Oui. J'ai fait de la ronde et tout ça. Oui. 2,60, voilà. 2,60 pour les abricots. Ouais. La Suède, la Suisse, et alors, et qui on est, hein. Bah non, c'est pas vraiment, c'est pas collé-collé, hein. Bon séjour en Corse, madame. Alors, je rappelle qu'on n'a pas le droit de fumer sur France 3 Corse via Stel. Ah oui, ça, cache la cigarette. C'est très beau. Ça va, ça se passe bien. Le voisin, les relations avec le voisin, ça va? Mais c'est bon, pas trop. Oh bon, bah oui, bah, on va rien dire. Ça a intérêt que ça se passe bien. Comment on fait pour supporter un voisin comme Grégoire? Est-ce qu'on le supporte, est-ce qu'on le subit ou est-ce qu'on l'aime? On l'aime, forcément, c'est mon ami. Il a quand même réussi à dire à une amie de Suède, vive la Suisse. Hein. Oui, alors, qui on est? Mais c'est Grégoire, mais... On a fait tout le tour, oui. Notre ami pêcheur n'est pas encore arrivé. Non. Qu'est-ce qu'on fait, Francine? Je te propose, on a fait quand même le tour du marché. Il y a deux solutions, soit on va vers ici. Où est-ce que tu aimerais ton île rousse? Moi, mon île rousse, c'est ma rue. Allez, c'est sa rue. C'est ma rue. Allez, va. On va dans sa rue. Alors, je rappelle quand même, le conseil municipal d'Ilrous s'est réuni la semaine dernière pour justement voir rebaptiser la rue à côté, la rue Francine Massiane. On va y aller. Si on va essayer de ne pas se faire écraser, hop là. Pourquoi tu dis ta rue? Mais parce que c'est là où j'ai grandi, c'est là où mes parents habitent. C'est j'ai joué là toute mon enfance. Ta rue. C'est ma rue, elle est à moi. Si elle pouvait parler, ta rue. Oula. On fait une petite pause vite fait. Le meilleur marché du monde, nous dit Anto. Bon, si vous croisez Jean-Pierre Rimald, qui vient du Québec pour les vacances, passez-lui de bonjour, nous dit Nicole. Oui, ben, je ne sais pas si on va vraiment le croiser. On achetait nos olives au monsieur, là, nous dit Claudine d'Auxerre. Nicole, le marché, j'adore les produits locaux. C'est bien, Nicole. J'adore les marchés, nous dit une autre Nicole. Emmanuel nous fait un coucou. Merci pour votre passage à la biscuiterie L'Isolane. C'est ça. C'est la biscuiterie. Non, c'est la toute première où il y avait Bastille et que et bah, c'est aux oignons que je dois manger ça. Juste avant de t'interviewer. Voilà, c'est ça. Anto nous fait un coucou depuis Sainte-Juliane. Vive les artisans en Corse, nous dit Nathalie. Vos fruits et légumes respirent le soleil. Merci à vous. Merci au soleil, merci à notre terre et merci aux gens qui les plantent. Coucou Muriel Castellagne, nous dit Jean Paya Castellagne. Muriel Castellagne, c'était... C'était la sœur qu'on a de Marie-Ange. Elle n'était pas sur le stand. Donc c'est celle qui vend les petits gâteaux à la châtaigne, tous les gâteaux, les pâtisseries qu'on a vues. André nous dit, je voudrais un verre de muscat, s'il vous plaît. Ah ben bien. André, ouais, 10h30, oui, pourquoi pas. On va le miel, un délice. Bah oui, Nicole. Monsieur, lorsque vous goûtez à tout, vous n'aurez plus besoin de déjeuner, me dit Martine. Et pour un long moment. Ça va, j'ai goûté deux petites cuillères de miel et un demi-pet de charcuterie. Bonjour à tous, ça nous donne faim avec un peu de rosé d'apiette. Oui, pourquoi pas, toujours avec modération. Alors tu vois, là, on continue. Et on continue, ah. Vas-y. Là, c'est des Russiens qui scapent. Vous pouvez rester. Hein. Non, pas du tout. Tu fais scaper tout le monde. Jean-Christophe. Non, reste assis, Jean-Christophe. En plus, j'ai vu que Jean-Christophe, il avait son smartphone à la main. Jean-Christophe, il s'est levé il n'y a pas longtemps, il a fait la fête. Alors, regarde, lui, casse pas les fêtes. Fête de la musique, c'était où? J'ai vu sur la place. Aux arcades, à Algajol. Ah, Algajol. J'étais aussi. Parce que j'ai vu des vidéos. Scotché par Soumantano. Oui. Scotché, bluffé, franchement. Je ne les connais pas. Ils sont de Balagne. Hein. Oui, Alexandre Marché, donc avec un groupe, et tout est joué live, il y a du Corse, il y a de tout. Et on a passé un super moment au bord de Juste pour info, si vous voulez voir les vidéos de Francine Massiane, vous allez sur son Instagram. Il y a des vidéos un peu bizarres de Francine Massiane qui est. Ben quoi, c'est public, c'est toi qui les postes. C'est un peu comme ça. Non, j'ai filmé comment en Balagne on fait la musique.
C'est tout, c'est important la musique. Il y avait aussi un concert à Calvi, on était passé devant, et puis un sur la place là. De partout, on a fêté la musique de partout. Mais toi, au niveau musique, tu t'y connais un petit peu. Moi, je m'y connais un petit peu, moi j'ai hâte de remonter, de faire ma petite tournée. Et hier, t'aurais pas pu faire un petit truc? Non, hier j'ai profité Yann, j'ai profité, j'ai écouté mes amis, Soumantano, et voilà, ça fait du bien aussi. C'est ça, rentrer chez soi en Balagne et profiter un peu d'ici, ça fait du bien aussi. Je vais pas dire ça, on est allé manger chez elle à Palmainte il y a deux jours, elle était en train d'arriver en Exactement. Voiture, elle dit « Ah, enfin, je rentre chez moi !» On ne dira pas d'où elle venait, parce que ce ne serait pas sympa pour les Ajacciens, mais, non, mais je l'ai dit. Bien, mais c'est autre chose, on est toujours bien chez soi, qu'on apprécie de rentrer, en tout cas moi j'apprécie de rentrer, et ça me recharge, ça me ressource, comme cette rue, Jean-Christophe... Elle est née là-bas, voilà, au fond, là, on s'est élevé dans la rue. Voilà. On s'est élevé dans la rue. Avec sa sœur, son frère et quelques autres. Putain, tiens, dis-nous des trucs qu'elle a fait. Pas grand-chose, elle était gentille. Non, c'était une flèche. Que ceux qui la connaissent, elle était gentille, mais... Non, elle était... Elle y allait. Il fallait la sauver. Elle était sage. Juste un mot, parce que du coup, bien sûr, toi, tu montes la SEG au groupe. Du coup, on me dit, mais où est-ce qu'ils vont se produire? C'est qui? C'est quoi? C'est un petit peu partout. Sur Mentano, vous pouvez le trouver à El Gajo. Là, alors, les dates que je retiens, en tous les cas, il y a le 14 juillet à El Gajo, là, sur la petite place d'El Gajo. Et après, vous pouvez les retrouver un petit peu partout en Balagne. Ils se produisent absolument dans tous les endroits. Un peu branché. Bon, ça donne... Les gens réagissent en direct. Et toi, Francine, quand est-ce qu'on te revoit sur scène? Alors, justement, moi, j'ai très hâte. Jean-Cri, à Ciao. Plus. Jean-Cri, merci. Et comme tu as le smartphone dans les mains, tu vas sur la page de Viasté, là. Non, mais moi, je suis pas trop... J'ai smartphone pour téléphoner. Je suis pas trop Facebook, Instagram et tout, et je t'érobe. Mais c'est bien, ouais. C'est Instagram, Facebook. Comme ça, tu vois les vidéos de Francine, où elle fait comme ça, un peu. Bonne continuation. Merci, Jean-Cri. Toi, on me demande, alors. Alors, mais moi, je suis en train de préparer un troisième album, deux créations, parce que le deuxième, c'était un album de reprise, oui, des Five Inchants. Voilà, donc je reprends et je croise les doigts pour que ça sorte en 2009. En 2009 2019, ouais. Pardon, ouais, c'était la fête hier soir, non, je te vois bien. En 2019, voilà, j'ai hâte, ça me manque énormément et j'ai envie de repartager la musique. Et c'est vrai que la de toute télé. Façon, tu nous tiens au courant. Mais bien sûr, voilà, il y a plein de projets en même temps, mais la musique en fait partie et vous verrez très bientôt. Voilà. Boulangerie Thomasine. Boulangerie. Alors là aussi, là, c'est une très très vieille boulangerie qui a été refaite, bien évidemment, comme vous pouvez le voir. Mais moi, je me rappelle toute petite, justement, c'était Brigitte Aquaviva Thomasine, donc qui partait faire les tournées. Et je me rappelle toute petite me mettre dans sa camionnette, sa fourgonnette, pour dire comme les parents avaient confiance. Bon, on se connaissait, mais je partais sans rien dire. Et j'allais faire la tournée, je livrais le pain avec elle. Et j'étais petite, genre 10 ans. Tu faisais Dragouline avec Brigitte qui allait livrer le pain dans ses dépôts, qui faisait sa tournée. Et voilà. Et donc les parents nous faisaient confiance. Et il y avait toujours quelqu'un qui disait « La duwish tabart et Brigitte, la duwish tagui ». Donc voilà. C'est ça. C'est pour ça que je dis « ma rue ». Vraiment, on le sent, hein, l'ambiance village. Elle est là. Mais complètement. Elle est particulière, cette rue. Elle est conviviale, ben, ça a un petit peu changé, évidemment, il y a des boutiques. Il y a le tourisme qui voilà. arrive, il y a le commerce qui s'est développé dans ce sens, mais elle n'a pas, pas perdu tous les son jours. Âme. Tout à fait, voilà, on ne se voit pas tous les jours, par exemple Jean-Christophe, je ne le vois pas tous les jours, mais on sent qu'il y a vraiment des liens qu'on a tissés et on peut ne pas se voir pendant un moment, on se revoit, mais c'est comme si c'était hier, quoi. Il y a... C'est quelque chose, on spire, on stint, c'est pour mieux spiegare, c'est gampa. Voilà. Ça ne s'explique pas, ça se vit, oui. Tout à fait. Là au-dessus, il y a la petite place du Canon où il y a un marché. Alors, et il y a une place du biscuiterie. Canon, et pourquoi ça s'appelle la place du Canon? Non pas parce qu'il y avait des canons, chère Francine, mais parce qu'il y avait une fontaine. Une fontaine, et en fait, c'était enclavé, c'était stratégique. Je me montre la Seg, mais c'est juste Jean-Christophe Horticone qui nous l'a dit hier. Hein, sinon, je ne le saurais pas. C'était un point stratégique, en fait. On venait abreuver les chevaux. C'était on venait là en fait, c'était pas pour la guerre quoi. et voilà, donc tu veux nous emmener là? Tout à fait. Et ici donc c'est une vieille biscuiterie, il y avait un vieux, il y a deux fours en fait, et les gens ici en fait, il y avait beaucoup de gens qui de pêcheurs qui habitaient dans ce quartier là et c'était un peu un four communal. Les gens venaient cuire ou leur poisson ou leur viande. Et en contrepartie. Pour partager de. Tout à fait. Et four à Gérinois et Lens. En fait, il y avait du bois et en fait, c'était du troc. Les gens amenaient du bois, venaient faire cuire. On repartait, on venait, c'était convivial. Il y avait deux ouvertures et les gens venaient faire ça. En fait, il y a deux fours. Et il y en a un, donc, ils ne sont plus en fonction.
ils sont éteints, mais Jean-François continue dans un four traditionnel. Il a développé la biscuiterie. Si tu veux, on peut rentrer lui faire un coucou. Ah, ben moi, si tu m'introduis près de Jean-François, on peut y aller. Hein. Allez, viens, suis-moi. Il y a un peu de monde, hein, parce c'est qu'elle a quand même connu la biscuiterie. Hein. Est-ce qu'il est là, Jean-François ? Bonjour. Elle fait comme à la maison. Hein. Je vais à la maison, je vais derrière. Francine, je peux venir moi aussi ? D'accord. Excusez-nous. Hein. Non, puis en plus, elle ne prévient pas, elle arrive, elle se barque. Mais je vous tiens au courant, je vais regarder quand même. Je vais quand même... Merci. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de faire quelque chose. Bonjour. Faites gaffe en sortant. Là. C'est pas ma faute, c'est elle. Moi, je préfère prévenir. Elle se barque sans prévenir, et tranquille. Alors, je suis chez moi. Allez, enchanté, bonjour tout le monde. C'est pas grave, vous avez un doigt. Tout machin. Voilà, tu vois là, sans odeur. Sans odeur. Est-ce que tu sens cette odeur? Oui, bien sûr. C'est l'odeur de mon enfance. En fait, mes parents habitent derrière. Et tu vois, il y a toujours une ouverture. Il y a l'odeur. Mmh. On sent l'amande, la biscuiterie. Et en fait, il a repris le flambeau. Il a repris un peu les recettes. Il en a réinventé. Et regarde. Voilà. Pardon ? On n'a plus de place pour en mettre des recettes. Tous les jours, production ? Tous les jours, de matin à 9h jusqu'au soir 19h. Bon, juste pour info, on est arrivé comme ça, sans prévenir personne. On arrive devant la biscuiterie, c'est blindé de monde, de gens qui attendent. Mais c'est ici un lieu de rendez-vous d'île Roussien, n'est-ce pas ? Exactement. Bah, absolument. On va goûter. Bon, ils sont frais. Voilà. Hein. Au caramel beurre salé, lâchez le téléphone là. Allez, on y va. Allez-y, mangez, je vous laisse faire. C'est gentil. Ça sent... Je regarde juste, c'est une odeur qui me vient au nez. Ça, c'est la myrte blanche. Ah, voilà. Je me suis dit, c'est de l'eau. Non, c'est pas de l'eau, c'est de la myrte blanche. On va les laisser travailler. Comment le prénom ? Jean-François. Bon, Jean-François. Merci. De rien. On vous laisse travailler. Hein. Merci à vous. Ciao, bon courage. L'équipe qui est là aussi. Hein. Jean-François, c'est le moment. Hein. Dis leur prénom vite, les uns après les autres. On a... Allez, il y a Sylvain. Il y a... Il y a Ingrid. Ingrid, ok. On et il y a Biéro. Et surtout pas... Et Lisa. Voilà, il y a Lisa, Ingrid, Pierrot et c'est Lisa. Et Lisa. Au quotidien, ça se passe bien avec. Oui, très bien. Il a l'air en forme. Hein. Ah oui, toujours, il est toujours en forme, notre patron. Bon, allez, on file. Oui, Laurent, il faut que tu réussisses à sortir de la biscuiterie entière. Bon, et bien entendu, comme on est en direct, vous partagez. Hein. Super, merci. Allez, après, je trouve. Au revoir. Oups. Au revoir, jeune homme. Waouh. Quand tu m'as dit, est-ce qu'on peut rentrer, j'ai eu un doute, je me suis dit, je ne sais pas si... Oui, il fallait. Oui, complètement, c'est... Tiens, voilà. Et là, parle, moi vois, je peux pas. Je ne sais pas si tu le vois, donc oui, le lavoir. Il y a un lavoir ici. Il y a beaucoup de gens, ma grand-mère notamment, venait des fois laver des draps avec le savon de Marseille. Et elle nous asseyait là sur le côté et elle lavait ses draps et voilà. En fait, ça n'est plus en fonction, hein, c'est pas tout le temps ouvert. Mais tu vois, là, j'ai beaucoup joué. On jouait à la bataille avec tous les enfants du quartier. C'était merveilleux, quoi. Là, ça... Enfin, ce four... On ne sent pas l'émotion. On ne sent pas du tout l'émotion. Tu vois, Yann, là, on jouait sur la bataille. Non, c'est que de bons souvenirs. Ça fait... Et puis, comme tu vois, quand on s'est vu l'autre soir, ça fait du bien de rentrer. Mais c'est toutes ces choses-là, en fait. Elles ne te quittent pas. Et quand tu es loin, c'est là où tu les aimes encore plus. Et... Partir pour mieux revenir ? Mais c'est important, et voilà, en tout cas, c'est... C'est quoi ? On va faire un petit là, tour. Là, il y a Annie, elle m'a vu grandir aussi, Annie. Non, c'est qui Bouchon ? Mon petit, comment ? Bouchon. Elle m'a bonjour, fait messieurs. Comme ça depuis que je suis toute petite. Annie, elle merci, Annie. Les chaussures, là, juste en bas. Là ou là, tu veux qu'on aille ? Allez, on redescend par là. On va clôturer la rue. Tu sais quoi, je vais faire un petit tour avec les internautes, ça va te permettre de reprendre un peu souffle pour éviter que tu nous fasses un petit sanglot en direct. Hein c'est une grande sentimentale, Francine. Hein. Bonjour, dit Rousse, nous dit Marcel Boucher. Gérard nous dit excellent marché. Bah oui, mais ça fait un petit moment qu'on est parti, désolé. Bonjour Laurent, bonjour à tous, nous dit Jean-Christophe. Le marché, c'est aussi bon pour les papilles que pour les pupilles. Place Canon, très bon canistré, il nous dit Philippe. Oui, alors je te confirme. Encore un peu, c'est juste une tuerie. Bonjour Lille Rousse, bonne journée, nous dit Nani. Merci. Stéphane, vous pouvez passer un bon séjour ? Oui, il nous fait un coucou depuis la Haute-Marne. Voilà, hein, pour la rue de mon tonton, nous dit Nathalie. Là, Nathalie Grimaldi, non ? Nat. Ah, c'est des pseudos, ça, il faut... Ah, je sais pas. Montez boire le café à l'atelier, nous dit Kevin. Kevin.
connais. Kevin, quel atelier? Ah, ben, Kevin nous dit monter boire le café à l'atelier. Merci Viastel de faire découvrir ces superbes îles, nous dit Jean-Pierre, merci. Et, la rue des Platanes, jamais. Il y a une superbe maison, des Selvigny, mon parrain, nous dit Nicole. La rue des Platanes? Oui, mais sûrement place des Platanes, il y a une rue qui y va et elle appelle ça la rue des Platanes. Désolé pour la personne qui est en train de téléphoner en même temps, mais on lui raccroche au nez. Tac. Bravo, j'ai testé le restaurant bistrot sur la place. C'est une tuerie, c'est le meilleur. C'est un restaurant gastronomique. Ils font tout, eux, c'est vrai. Je confirme, c'est une tuerie, voilà. Marianne fait un coucou depuis la Sicile. Geneviève nous dit bonjour, je connais l'île Rousse, je revisiterai en septembre. Belle journée à vous tous, amitié des PO. D'accord. Oui. Jean Cry nous embrasse. Merci, nous dit Daniel. Absolument. Actuellement en vacances, originaire de Lorraine, je connais bien ce marché. J'irai prendre une petite bière au bar des sports. Mais il paraît que c'est fermé. C'est fermé le bar des sports? Le bar des sports, je connais pas. Voilà, et hop, ça c'est fait. Et tu as des super canistrés. Ah oui, mais les canistrés, la biscuiterie, bon, ça c'est, on a vu. Hein. Miam, 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 on les sent même à travers l'écran, nous dit Laura. Ah, mais c'est quelque chose, hein. C'est l'odeur, c'est quelque chose. Maria nous dit, vous venez de croiser mon neveu. Bonjour. Ah oui? Bah écoute, c'est le neveu de Maria. Noël nous dit qu'elle partage. Vous avez bien raison, Noël, de partager. On voit au-dessus de la place du Quénon la maison Savée, le plus haute de la vieille ville. Oui. Regarde aussi encore le linge accroché comme ça. C'est génial. C'est génial. Katia nous dit c'est le plus bel endroit au monde. Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair. Mais c'est clair. Mais Katia a tout compris. Et Nicole nous dit qu'elle a partagé notre direct au Canada. Merci Nicole. Mon village est le plus beau de toute l'île, nous dit Jean-Georges Brunet. Tu connais? Ça me dit quelque chose. Non, tu connais sûrement. Antoine... Regarde comment il se cache. Mais on vous a vu, on vous a vu. C'est les copines, regarde. C'est les copines, elles se cachent. Puis toi, c'est sympa, quand elles se cachent, tu le balances. Vous pouvez remercier Francine qui a balancé que vous vous cachiez. Et puis en plus, elle est sur sa tablette, elle est en train de nous suivre. Avant, il y avait une poissonnerie ici. Et Lucien, qui malheureusement n'est plus là, hein, c'est des vieux souvenirs. Moi, mes parents habitent juste là, à monter. Donc, je descendais et il y avait tout le rayon frais des poissons. Lucien ramenait son poisson frais, sa femme vendait le poisson. Et voilà, et là, la petite fille qui a ouvert une boutique de vêtements. Et qui s'est cachée. Et qui s'est cachée, qu'on n'a pas pu voir, malheureusement. La famille Salvine, palais des allées. Un certain Pierre-Simon-Paul me dit, Yann, est-ce que vous n'auriez pas maigri par hasard? Pierre-Simon-Paul, je ne ferai aucun commentaire concernant ce poste. Je suis désolé, je ne vous connais pas. La rue des Platanes n'est autre que le palais des allées. Ah, et d'accord, oui. Bon, mais, oui, d'accord. Ah, ben, voilà. C'est la rue des allées, ça n'est pas la rue des Platanes. Et Daniel nous dit... C'est le palais des allées, en fait. On appelle Isola Ross, la merveille. Et enfin, oui, Fernanda nous dit Nicole. Voilà. On est dans la rue parallèle à ta rue, mais c'est aussi ta rue. Non, hein. C'est ma rue ici. On est, revenu, on a fait la boucle. Bien. On est dans la rue Paul. Toujours rue Paul. Il y en a deux, en fait, qui se ressemblent un peu. Mais c'est la vieille ville. C'est les mêmes codes, je dirais. Voilà. Mais la mienne, c'est celle-là. C'est la rue Paul. C'était où, tes parents? Mes parents, c'était juste à côté de la boutique de la fille qui se cachait. On retourne, on va passer juste... Bonjour. Bonjour. On va passer... Bonjour. Merci. On va passer de nouveau devant le marché. Et on va redescendre gentiment. Non, c'est ton canistré. Je ne veux pas te voler ton canistré, Francine. Assume. Non, ils sont délicieux, mais c'est vrai que pour parler ensuite, ça fait des petits... Ah, on continue, hein. On est allé manger les canistrés. Ouais, au sérieux, les canistrés là-bas. C'est une tuerie, hein. Tiens, plus... goûte cela. Allez, putain. Ils viennent d'où cela? De la boulangerie, là, ici. Ah, parce que nous, on est monté sur la petite boulangerie, ou presque, non? Ouais. Pendant que Francine, elle continue à dire bonjour à d'autres personnes, je vais te dire, c'est une tuerie. Et elle nous a fait rentrer. Bon. Bon, je goûte cela aussi. Ils sont nature, mais ils sont bons. Ça va passer quand? C'est sur Viasté, là. On est en direct. Allez. Oui, j'aime bien. Excuse-moi, Francine, j'étais avec Jean Cry. Bonjour. Pendant que toi, tu étais avec. Bonjour Eric. Bonjour. On fait dégustation de canistrés ce matin. On fait toutes les boulangeries. En fait, toutes les boulangeries d'Île Rousse et on les goûte. Hein. C'est bien. Oui, il y a pire. Hein. Tiens, il y a ton ami Jean Cry qui m'a dit fais moitié-moitié avec Francine. C'est quoi? C'est ça, moitié-moitié? Kéboudja, oh là là. Il y a le maillot qui arrive. Faut pas déconner, là. Moi aussi, il y a le maillot qui arrive. enfin, pas le même, mais. Magie. Très bon. Aussi. Une tuerie. Alors tu vois, ça c'est spécifique à Île Rousse. Elles sont fines, plates comme ça. Pas que Île Rousse.
Il y a une... C'est spécifique, arrête-toi. Non, mais en Balagne, du côté de Santa Reparat, il y a une biscuiterie qui faisait aussi. C'est canistré, il est un peu plat. Oui. Non. Bonjour. Comment tu vas? Hein? Je viens à la maison. Allez, venez acheter le poisson. Ah, pardon, mais c'est pour ça que tu voulais qu'on se capte. Ma tante aussi. Alors, qui y a là? Il y a ma toute tante, ta famille. Ma mère, il y a tout le monde. C'est pour ça que tu es super gênée? Non, mais. On fait un petit bisou? Moi, je m'en fous, je vais faire un bisou. Je peux faire un bisou? Bien sûr. Elle est toute émue. Oh. Attendez, vous ne faites pas écraser. Si on perd la famille Massiane ici, on va être embêté. Regardez. Je partage un canistré avec vous. Francine, attention le rétroviseur. Parlez-moi un peu de la petite. Ah, la petite, c'est adorable. Ça me manque beaucoup. Parce que je la vois presque jamais. J'aimerais la voir un peu plus souvent. Francine, j'aimerais bien la voir un peu plus souvent, on me dit là. Vu le métier, il faut se faire. Hein. Allez, je fais un bisou aussi à Tata. Voilà. Tata, elle est là, elle est présente. Et on lâche rien. Voilà. Et c'était en ville. Bon, on va finir notre live, allez. Alors là, vous voyez ce que je... Là, à la seconde, Francine est juste en train de me détester. Je n'avais pas capté au début. Ça va? Oui. Ça va? Ouais. On tient bon? Ouais. Toujours spécial de croiser la famille hein, durant un direct. Hein. On va aller vers la mer, prendre un peu un grand bol d'air et puis respirer tranquillement. Ah, oh, mais c'est ça, l'esprit de la famille, l'esprit d'Île Rousse, l'esprit de cette rue. Tout. Ah. Il faut... Bonjour. On s'est bien garé, hein? C'est vrai? Oui, oui. Vérifier. Il va vérifier. Ça, Francine? Il y a des gens qui disent Francine a l'air émue d'avoir croisé sa famille. Pas du tout. Non. Mais ça fait. Vas-y, essaye. J'ai ma maman au téléphone depuis quelques jours et je l'ai plus vue. Ça fait 8 jours et parce que j'étais pas là, presque 10 jours. Et voilà, elle a été, comme vous avez pu le voir, très fatiguée cet hiver et ça me fait quelque chose. Bon, je parle d'autre chose. Il y a des petits moments comme ça, on se fait plaisir. Regardez. Allez. Tout va bien. Allez, j'arrête de t'embêter avec ça. Oui. Et en plus, sa maman, quand elle la croise, dit « Oh, j'aimerais bien la voir un peu plus souvent. » Tu m'étonnes. Allez, mets-moi une couche. Par contre, il y a un certain Pierre-Simon Paul qui nous dit « Oh, c'est pas juste à côté d'Île Rousse, mais franchement, vous devriez tous monter à la pizzerie ou Palminte, c'est l'endroit le plus corse de la région. » C'est ça. On fait des palmintades. On a des chanteurs qui font... Des padiers, le comptoir, on chante. Non mais attends, avant de faire les padiers, avant de chanter, vous faites surtout, il y a un certain genre qui fait surtout des pizzas, c'est une tuerie, ouais. C'est vrai. Pour une pizzerie, c'est pas plus mal, hein. J'en fais pas que des bonnes pizzas. Laurent, est-ce que tu entends ce que Francine est en train de nous dire? C'est terrible. Il fait des bons desserts aussi. Je vais arrêter. Tu veux que je reparle de ta maman et dans quel état tu étais quand tu l'as croisée, hein? Ah bien ma chérinette. Moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Puis Tata, en pleine forme. Tata aussi, hein. Naïg, comme on dit. Et... Elle dégage un truc. Ma tante. Ah ouais. Ma tante était aussi femme de pêcheur. Elle cuisine le poisson comme personne sur cette planète. Et voilà, c'est ma famille. Voilà. Lieu familier pour tous les habitants des villages voisins. Le kiosque, la place, les gens sont accueillants. Christophe, Gaspard, Nidio, on a vu la maman. C'est ça. Christophe, tu connais? Christophe. Gaspard. C'est toujours le problème des pseudos. Hein. Voilà. On a du mal à reconnaître. Et puis comme on a des yeux qui commencent à fatiguer, c'est pas évident de voir la photo en tout petit. N'oubliez pas, comme on est en direct, qu'il faut partager sur votre page Facebook ce direct pour pouvoir le revoir tranquillement en replay. Si vous avez envie de revoir Francine au bord des larmes, ben c'est en replay. Je suis abominable, aucun cadeau. Non, c'était mais mignon, tu sais, comme ça, tout. Bien sûr, mais ça m'a fait un bien fou. Mais voilà, je rentre et là, vous m'avez fait faire un plein de batterie. J'avais besoin de venir dans ma rue. Je l'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait avec vous. Donc... Mais c'est ça, c'est un esprit, quand on vient là, on est toujours enfant, on est toujours, on se sent toujours enfant. On le voit dans le regard. Ouais. Alors, il y a le regard de tes amis, alors, Jean Crie, pour ne pas le citer, parce qu'il a dit, c'est ici qu'on s'est élevé ensemble, dans cette rue. Tout à fait. On croise Annie, dit ma boubou, mon petit bouchon, m'as-tu rappelé comme ça?
Et le regard des gens dans la rue, ce regard des gens dans la rue sur toi, c'est, ils voient toujours la... Mais c'est ça, mais ils n'ont pas vu grandir. Ils n'ont pas vu grandir et moi, je ne vois pas non plus le temps passer. Et quand je reviens ici, ben, j'ai le même âge et forcément, c'est des périodes qui touchent à l'émotion, à... Il y a une nostalgie. Un peu de canistrie. Et donc voilà, c'est quand je viens ici, c'est, ben, on retourne à ça et ça fait un bien fou, quoi. Heureusement, bah oui. J'ai envie de dire qu'on peut encore vivre des choses comme ça. Enfin, en Corse, on est un petit peu épargné, je dirais, mais c'est vrai que tout devient un peu nombriliste. Les gens, c'est vrai, vivent un peu détachés. Il n'y a pas cet échange. Et quand on arrive là et qu'on le vit, et, ben, moi, je dis merci, quoi. Voilà. Et je souhaite à tout le monde de vivre, de se construire une banque de souvenirs comme ça, parce que c'est extraordinaire, quoi. Voilà. Waouh. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut rajouter. Je vais essayer de... Avant de me mettre à pleurer moi aussi en direct, je vais lire un peu les commentaires. Hein, merci, bravo à Nana, une des anciennes figures ma de tata. Notre vie. Ben oui. Qu'on a croisé. Et vous êtes en train de marcher là où il y avait le lavoir détruit en 1974. C'est ça. Ça, c'est Stéphane Pergola qui nous dit ça. Merci à Nana, de gros bisous à Nana, donc c'est Tata. Mmh. Nana, c'est Tata. Tata Nicole, Champ Corse, le soir au village, c'est convivial, c'est très accueillant, c'est palmente. Martine nous dit que c'est bien beau tout ça. Et Hervé, qu'il y a bien du monde sur les plages, même si aujourd'hui le soleil il est à demi voilé, mais s'il fait très chaud, très lourd. Ça fait 4 ans que je n'ai plus eu la chance, nous dit Hervé, de revenir en Corse. Il faut que je revienne. Nathalie Grimal dit c'est notre princesse. Oui, je sais, il est 50. Tu es encore en retard. Sandrine nous dit j'adore. Nathalie Grimal qui dit c'est notre princesse, ça te dit quelque chose? Oui. Voilà. Je vais faire un tour. Merci. Je suis. Denise nous dit je suis à Portici. Non, à Portici. voilà. Depuis 2012, ça me manque de ne pas être venu. Je vais revenir. Albert Bal nous fait des bisous. Bientôt, je vous rejoins, les amis. Je vais partir de mon bureau, nous dit Stéphanie Maraninck. Ah, oui, Stéphanie. Bah oui, Stéphanie. On te fait des gros bisous. Stéphanie, on t'embrasse. Ben nous, Austri, on va bouger parce que Edune, Francine, doit nous abandonner parce que tu as un rendez-vous et que tu es. En retard. Voilà. Francine, comment dire, Francine et le retard, c'est une longue histoire d'amour. Moi, je voudrais juste avant de quitter Ile-Rousse, remercier d'abord Olivier qui était avec nous hier, Jean-Christophe, et puis toi, te remercier vraiment de nous avoir fait vivre ton Ile-Rousse, tes rencontres, ta famille, tes lieux, ton émotion. Et voilà, je te fais un gros bisou. Moi, je vais aller un petit tour à la plage avec Laurent Simon-Paul. Allez, fonce, tu es en retard. Viens. Allez. Au revoir et merci. Allez. À très vite. Très vite, on tient au courant. File. Francine, vous la retrouverez bien entendu à la rentrée sur France 3 Corse via Sté. Elle sera aussi bien sûr avec nous sur les réseaux sociaux. Et puis il y aura son album qui sortira bientôt. Tout ça, de toute façon, vous en saurez plus en suivant la page Facebook de France 3 Corse via Sté, la chaîne YouTube. Nous, on va faire un petit saut avec Laurent Simon-Paul dans la mer. On fait un petit bain, un petit spoutine. Et on va être plus vers la sortie de la Balagne. On va prendre la Balagnine, pas très loin en fait. On va aller dans un parc, le parc de Salé, si vous connaissez. Oui, un endroit qu'il faut visiter aussi. Allez, on se retrouve tout à l'heure sur la page Facebook de Via Stel. Moi, je vais me baigner. Ciao, Laurent. À tout à l'heure.